Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour vous. Ah, je me suis bourré, je reprends. Bon, allez, on recommence, vas-y. Oh, ça va, arrête. Et t'as raison, je m'excuse. Je crois que j'ai un petit peu trop bu, je me sens pas très très bien ce soir, parce que d'habitude, je la chante bien, cette chanson. Je la connais par cœur, je vous jure, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, faut que j'aille me coucher. Allez, viens avec moi, Henri. Richard ne va pas tarder. 5 minutes de pause et on enchaîne. Et toi, mets-toi au jus de fruits, Nathan. Alors les enfants, comment vous vous sentez? Pas trop angoissé? Non, non, tout marche vraiment comme sur des roulettes. Est-ce que tout est fin prêt pour le spectacle? Oui, je pense que ça va être excellent. On a gardé l'esprit du magazine, toutes les rubriques, et il y aura un équivalent du poster central, mais en moins agressif. Alors c'est parfait. Oui. Cléo avertit tout de suite la police. Tu demandes 2 flics dehors pour la sécurité. Pourquoi ça? Parce qu'on a trop parlé de notre spectacle et que les dingues de la ville risquent d'envahir le trottoir. Alors s'il te plaît, sois gentil, appelle tout de suite la police. C'est pas vrai, non. Regardez-moi cette nana. C'est pas toi qui es capable de sortir le pareil. C'est au pistolet qu'ils ont dit plein de ça. Non mais regarde. Au pistolet alors, hein? C'est pas ça qui change quelque chose. De toute façon, le corps humain, c'est merveilleux. Pas vrai, Hernandez? Hein? T'es pas de mon avis? Et si je refuse de signer, hein? Qu'est-ce qu'il dirait si j'évoquais simplement un manque de personnel, à ton avis? Hé, hey, Tony, pourquoi est-ce qu'ils veulent des gars de la crime pour surveiller leurs canards? C'est pas à nous de faire ce genre de truc. Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? C'est pas vos oignons, hein? Regardez ça, ce tonnerre s'en va. Il démolit l'équipe. Quoi? J'ai été transféré. Oui, mais pas question que je signe. Oh, Dan. Tu sais, je vais te dire ce qui t'arrive, Dan. T'es dépressif, t'as 40 balais bien sonnés et tu te sens mal dans ta peau. Arrête un peu tes salades. Tu veux que je te dise comment on appelle ça? La force de l'âge. Tu fais une crise. Ça s'appelle en avoir assez de coups de fil en pleine nuit et des visites à la morgue, Tony. Commissaire Brancato. Hernandez, comment est-ce que vous dites j'en ai ras le cul en espagnol? Peut-être qu'il comprendrait. Oui, Ray, je l'aurais déjà dit, seulement il répète sans arrêt que ça n'est pas de notre ressort. Hé, hey, Dan, regarde ça 2 secondes. Cassie Bascombe, ange de l'année. Ça te file pas des frissons partout? Arrête tes conneries. Et tu serais pas un peu dépressif, toi? Ouais, Ray, je vois ça. Mais ça n'est pas la crime qu'ils veulent, hein, avant tout, mais 2 officiers de police en civil qui se mêleront à la foule. Tony, celui que vous cherchez est sous votre nez. Vous connaissez le sobriquet que je traîne? Le caméléon. Oui, seulement il demande quelque chose d'assez spécial. Ils veulent une fille. Quoi? Je vous mettrai au courant dans un instant, Rose. Mais c'est du racisme, Tony, et ça vous le savez? Dan, je voudrais que tu m'écoutes 1 seconde, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande de Tony, faire. Tony, je t'ai dit que j'en ai ras-le-bol.
Je croyais qu'on était de vieux amis. Depuis 15 ans. Vas-y, Zébas. Doucement, doucement. Tony m'a promis des horaires de fonctionnaire. Plus d'appels téléphoniques à 2h du matin. Vas-y, Zébas. Et il m'a prié de rassurer là-dessus. Ah oui, c'est mot pour mot ce qu'il te répète à chaque fois. Je viens de prendre conscience d'un truc. C'est que j'ai l'impression d'être passé à côté de tout dans la vie. Ah oui, ça fait aussi partie de ton refrain, ce truc-là. C'est bon, ça passe là. Oui, attention à la marche. Oui, il y en a encore. Je sais, j'ai vu. Attends, mais fais plutôt attention que ça cogne pas le mur. Avance, là encore. Là. Match est fini. Qu'est-ce que c'est comme chaîne, ça? Mais dis donc, c'est un programme pour les adultes, ça. Allez, viens, Todd. Attends une seconde. C'est la soirée du paradis. Il paraît que Hernandez s'occupe de la sécurité. Hernandez Rose? En personne. Amène-toi, Todd. Je suis en train de regarder le match. J'ai seulement changé le temps des pubs. Arrête un peu de raconter des histoires. Surtout ménage tes yeux, Stoner. Ouais, c'est ça, moi. On est sur la 2. C'est parti. Eh bien, pas d'erreur, c'est la soirée du magazine Paradis, retransmise directement dans votre salle à manger. Alors là, surtout pas de bêtises, je vois tout. Monsieur le directeur m'a expédié une limousine. Et heureusement, il m'a raté. Oh, mais il y a plein de célébrités ici ce soir. Il y a Debbie, Lana, Franck, Herbert, ils sont tous là. Et puis, il y a plein de gens très riches et le champagne coule à flot. Vous savez, monsieur le directeur, il est gentil à penser à me prendre une police d'assurance au cas où il m'arriverait de me faire tuer dans un hold-up. Ah, amusant, non? Mais pour voir ce que ça faisait, en faisant mes courses ce matin, j'ai descendu mon boucher. Mais cessons ces plaisanteries idiotes et regardez qui est là. Mais c'est elle que j'attendais bis janvier. C'est elle, Pamela Cummings. Oh, mon cœur, elle est venue ici, chérie. Regardez ce micro, si charmant. N'est-il pas ravissant? C'est un délice. Ah, je vois qu'il y a des jaloux. Hein. Mais comme vous le voyez, je suis son chouchou. Mais soyons sérieux. J'en ai une bien bonne. J'espère que vous allez l'aimer. Laissez-moi vous poser d'abord une question. Qu'est-ce qu'un boomerang qui ne revient pas? Alors, coucou, y a quelqu'un? Comment appelez-vous un boomerang qui ne revient pas? Un idiot. Un idiot, elle est formidable, elle est extraordinaire! Mais entre nous, qu'est-ce que vous faites après l'émission? Pamela, vous êtes avec moi? Ça vous dirait d'admirer ma collection d'estampes japonaises? Coucou, Pamela. Faites-la sortir de là. Elle est capable de tout foutre en l'air. Vous pouvez tuer, il y a longtemps qu'on serait tous morts. Vous avez des yeux d'ange et moi, ceux du diable. Hein, Pamela, vous entendez? Oh, coucou, coucou. Vous savez, je ne sais pas ce que vous croyez. C'est que pour la plupart des hommes, on est toutes des idiotes. Que le simple fait de poser dans un journal, ça nous excite. C'est faux. Eh bien, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Je voulais seulement que personne ne croie que nous sommes toutes des putains. Des putains, elle a osé le dire à la télévision. Oh, mais ce n'est pas grave. Devinez qui est arrivé. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Miss Février, Cara Alexander. Par ici, mon petit poussin, regardez ça. Oh, Gail Keating, Miss Mars est là aussi. Venez là, mon petit cœur. Mais comme elle est mignonne. Mars, Mars, Mars. Et en parlant de Miss Mars, 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 Mars. Mais il faut que j'y aille. À plus tard, mes amis. Mars, 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 Mars.
Qu'est-ce que c'est que ça? Va voir Charlie. Fais vite. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Non, Tony. Non. Si c'est un suicide, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah oui? T'as averti les copains? Elle s'était saoulée, elle était dingue, elle n'a pas arrêté de faire l'andouille à la télévision. Pourquoi de la chambre? Elle pouvait se jeter du toit. Oh, Dan, mais on a prévenu ses parents? Oui, ils arrivent de l'Ohio demain. Bah, écoute, Dan, le gardien a entendu quelque chose quand elle a sauté. Tu crois pas que tu devrais aller lui dire un mot? Ça y est, essaye de me mettre dans ce trou. Dan, écoute, c'est pas mes oignons. C'est tout ce que j'essaie de... Je crois qu'on tient un scoop. Elle n'a pas sauté d'elle-même. Elle est descendue tout droit. Depuis le bord du balcon qui est là-bas, jusqu'à l'endroit de l'impact. Ça fait 5 étages. Personne n'avait pu faire ce truc-là, compris? On tombe jamais droit. Tu en es bien certain? Elle a pu s'asseoir sur la rambarde et basculer? Non, d'après la façon dont elle a atterri, c'est probable qu'elle était la tête en avant et qu'elle est descendue en toupie. Je vous reverrai au bureau. Ouais. Merci. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que je me fie à mon vieil instinct, et en principe, c'est un instinct qui ne trompe pas. Je dis que c'est un meurtre, Tony. Et alors? En quoi puis-je vous aider? Voilà, inspecteur Stoner, j'ai entendu dire que vous étiez de service quand Pam Cummings a fait sa réservation. C'est exact, mais c'était au téléphone, alors je ne me souviens pas d'elle. Vous avez dit enregistrer? Oui, on voit pas mal de monde ici. Si vous demandiez au lieutenant, comment il s'appelle? Oui, Brancato, je lui ai dit tout ce que je savais. Je sais que vous l'avez fait, mais je veux que vous me le redisiez. Excusez-moi, inspecteur Stoner? Oui. Je suis Eva English. J'étais une amie de Pam. Oh, je suis désolé. Je peux faire quelque chose? Je voudrais vous voir une minute. Merci. Je sais tout ce qu'on raconte sur Pam, mais je n'en crois pas un seul mot. Jamais elle ne se serait suicidée. Il y a longtemps que vous la connaissiez? Assez longtemps pour savoir qu'elle était prématurée, une fille heureuse. En tout cas, ce soir, ce n'était pas le cas. Vous avez vu le lieutenant Brancato? Oui, mais il a dit que c'est vous que ça regardait. Oui, allons-y. Je crois qu'il y a une chose que vous devez savoir. Enfin, ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais il y a quelques mois de ça, je me rappelle que M. Trainer était embêté parce qu'il y avait un gars qui suivait une des filles. Et on dit que ce garçon l'effrayait. Effrayait qui, au juste? Cassie Bascombe. Vous la connaissez? Non, j'ai vu, c'est une photo. Quoi qu'il en soit, ce soir, quand Brancato est venu nous demander à toutes si des hommes nous embêtaient, Trainor n'a parlé de rien. Et quand il ne dit rien, personne n'ose le faire. Vous suggérez que Trainor ne nous a pas tout dit? J'en sais rien. Mais j'ai cru que c'était une chose qui vous intéresserait. Oui, tout peut être intéressant. Merci. Qu'est-ce que tu entends par peut-être bien? Tu t'occupes de cette affaire ou tu t'en occupes pas? J'ignore encore s'il y a une affaire. C'est pour ça qu'il faut que je voie Trainer. Ah, échoue ça. Je suis pas dingue. Tu te fous de Tony. Ce qui t'intéresse surtout, ce sont les mannequins. Nancy, je t'en prie. Je suis plus un mot, mais tu le sais. Je sais. Et ce n'est pas fait pour m'assurer. Oh,
Trena, je suis l'inspecteur Dan Stoner. Oui. Inspecteur, voici Cléo Banks. Enchantée. Notre chère directrice, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On se détend, les filles. C'est qui? On dirait que c'est un flic. C'est au sujet de Pam. Est-ce qu'elle a laissé des lettres? Non, non, aucune. Mais dans ces cas-là, les parents, les copains, tout le monde sait que ça ne veut rien dire du tout. Oh, inspecteur, laissez-moi vous présenter Cara Alexander, Gail Keating, Heather English. Alan Conti. Le sergent Stoner enquête sur le suicide de Pam, les enfants. Et la possibilité que ce ne soit pas un suicide. Vous pensez au meurtre? Mais pourquoi? C'est ce que nous essayons de savoir. J'ai entendu dire qu'un mec effrayait une de vos filles, Cassie Bascombe. Ah oui, c'est exact, mais ça fait déjà un sacré bout de temps. Excusez-moi, Richard, mais si toi et les filles voulaient manger un morceau, allez-y tout de suite. Oui, c'est vrai. Les filles, allez vous habiller. Hein. Je vous rejoins dans une minute. Ravi de vous connaître. Merci. Allez, dépêchez-vous. Vous m'excuserez. Je sais que je vais vous ennuyer, inspecteur, mais ce que j'aimerais, c'est que vous ne fassiez pas peur à mes filles. Il faudra que je les interroge tôt ou tard. Vous l'avez déjà fait, votre lieutenant, en tout cas. Oui, je voudrais discuter avec une fille, cette Cassie Bascombe. Vous avez son adresse? Cassie Bascombe n'a rien à voir dans cette affaire. De toute façon, elle n'est pas dans le coup de ce programme. Je voudrais discuter avec elle. Pourquoi? Parce que je le veux, il y en a marre. Vous avez son adresse? On vous la donnera au secrétariat. Bouillonnante d'esprit, une merveille d'élégance. On soupçonne sous son ingénuité le fourmillement de sa sexualité. Quel est le con qui a pu écrire ça? Ah, j'en sais rien, un gars bien. Oh, ça c'est étonnant. Sous le soleil brûlant de la plage de Malibu, elle est fière de son corps puissant et musclé. Dis donc, il n'y a rien à croûter dans ton frigo. Pratiquement nue avec son bikini, une extraordinaire Miss Février. Sa nudité était l'expression même de sa naïveté. Hé, Cara, apporte-moi une autre bière, tu veux? Resplendissante de vie, de vitalité. C'est un couteau de cuisine tout bête, pas d'empreinte, évidemment. Le tueur est droitier, selon le rapport d'autopsie. Et blessure profonde? Oui, assez, donnée par un homme ou une femme. Et son petit ami? Il est pas dans le coup. Il était dans le living room quand ça s'est passé. Il a dit qu'il avait entendu une voiture démarrer en bas de la maison. Et il n'y a pas d'empreinte? Non, le tueur n'a pris aucun risque. Ouais. Si tu veux mon avis, tout ça est plus dirigé contre le magazine Paradis que contre les filles. Oui, tu as raison, c'est possible. Pam Cummings n'était qu'un début. Le sexe, c'est la mort, tu sais, c'est de la bonne pub, ça. Ouais. Bah, ce gars-là de la suite dans les idées. Janvier, février. Qui est Miss Mars? Gail Keating. Elle reste à la villa de Trena. Mooney organise la sécurité dans le coin. Et Rose est chargée de veiller sur Heather English, Miss Avril. Stoner. Qu'est-ce que Cassie Bascombe avait à te dire? Je ne l'ai pas encore rencontrée. Elle vient de revenir en ville. C'est là qu'on a trouvé le couteau. Je comprends pas pourquoi Trenor ne nous a rien dit du type qui l'effrayait. Il n'est pas le seul, tu vois.
Inspecteur Stoner pour Miss Bascombe. Oui. OK. Inspecteur Stoner, enchanté. Je suis Bassi Bascombe, je vous attendais. Venez, mon bureau est par là. Merci. Venez, asseyez-vous. Merci. Vous voulez du café ou autre chose? Non, non, vous êtes gentil. Alors, vous m'attendiez? Oui, Richard me l'avait dit. Alors, voici le saint des saints de votre magazine. Il y a longtemps que vous êtes là? Oh, ça doit faire deux mois, grâce à Richard. Il y avait du travail par ici. Mais rien n'est définitif. J'ignore encore ce que je ferai après. Bon, alors... Traîneur a dû vous dire que je voulais vous parler de l'incident avec... comment il s'appelle déjà? Albert Stark. Mais ce n'était pas un incident, Monsieur Stoner. C'était plutôt une dure épreuve. Et quand ça s'est passé? Il y a environ 4 mois de cela. Vous l'avez dit à la police? Eh oui, mais que pouvait-elle faire? Vous savez pourquoi Traîneur est tellement... réticent à propos de ça? Peut-être pour essayer de me protéger. De quoi? J'ai été passablement bouleversée. Quoi qu'il en soit, j'ai quitté la ville un certain temps sans remplir mes obligations vis-à-vis du paradis. Quelles obligations vous aviez? J'ai été ange de l'année, si vous pardonnez l'expression. J'avais des promotions et d'autres choses à faire. Mais je n'avais plus beaucoup l'esprit à tout ça. Vous me semblez avoir retrouvé votre équilibre. C'est le tailleur et les lunettes, Monsieur Stoner, je vous l'assure. Écoutez, voici ma carte. Vous m'appelez si vous vous souvenez de quelque chose. Mm-hmm. Ah, pendant que j'y pense, qui a reçu votre plainte? Vous vous en souvenez, vous? Le sergent René. Mais allez en parler à Alain Conti au paradis. Pourquoi? Je croyais que vous saviez. Stark bossait pour Conti dans son labo, je l'ai connu comme ça. Stark les a prises il y a 8 mois. Il y avait quelque chose entre elle et Stark? Non, Cassie n'était qu'énormément flattée qu'un gars de la pictoriale veuille gâcher de la péloche pour elle. Je pense qu'il s'est présenté comme un grand photographe. Elle était ici depuis quelques mois, elle n'était qu'une petite secrétaire. Stark a pris quelques photos d'elle et vous les avez montrées à Traîneur? Exact. Tout le reste, c'est des histoires. On a monté une campagne, prétendant qu'on l'avait découvert tout d'un coup dans nos propres bureaux, et est devenu star du jour au lendemain. Bien sûr, le gars qui l'avait découverte est resté dans les coulisses aussitôt que Richard Traynor s'est intéressé à elle. C'est alors que Stark s'est mis à l'emmerder. Ah non, non, il l'embêtait dès le début. C'est pour ça que Richard l'avait viré. Stark a perdu les pédales. Il est entré par effraction, il a volé les photos de Cassie, qui nous appartenaient légalement. Il a essayé de les vendre à une bande de braque, en leur racontant une histoire dans laquelle Richard avait séduit sa fiancée. Tenez, c'est lui. Vous n'avez pas porté plainte pour vol? Pour ne pas étaler ses magouilles devant la cour, sans doute. Parlez-moi d'elle. Bon, il n'y a rien à en dire. Dans quel sens? Eh bien, c'était logique qu'elle plaise à Traînard. Ça paraissait normal qu'il tombe amoureux d'une fille de ce style. Et puis, plouf, on a appris que Cassie avait quitté la ville. Il y a eu ce drame sur lequel vous enquêtez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça concerne Stark? J'en sais rien. Je n'ai pas autre chose à vous dire que de vous donner un bon conseil concernant Cassie. Ne tombez pas amoureux d'elle. Je vous ai menti. Mmh. Vous voulez vous asseoir? Mmh. Enfin, disons que j'ai menti par omission. J'aurais dû vous raconter toute l'histoire. Continuez. Je connaissais Albert Stark et j'ai accepté qu'il prenne ses photos. Oui, je sais, j'ai discuté avec Alain Conti de ses photos. J'ai profité de Stark. En réalité, c'est lui qui m'exploitait. Il disait qu'il était mon manager, il ne cherchait que le pognon. Et il est tombé très amoureux de vous. Oh, c'est autre chose.
Il est tombé amoureux d'un visage ou bien de mensuration. C'est aussi ce qui s'est passé avec Trainer. Il ne s'est rien passé avec Richard Trainer. Vous m'excuserez, mon job est de poser des questions. Oh, je sais, je sais. C'est dingue ce que tout le monde cherche la pagaille. Je ne comprends pas. Souvent, ça me rend folle. Oh, qu'importe. Est-ce que vous avez une piste sérieuse? Non, aucune. On est très loin des films policiers. Des listes de suspects, des idées au milieu de la nuit. Ah, si c'était vrai. Excusez-moi. Un criminel, Stoner. Ah, salut. À ce point-là. Bon. Attends que je rentre, on en discutera. Oui, à tout à l'heure. Bye bye. Désolé. Bien voilà, vous pardonnerez ma belle confession. Je vais vous laisser. Merci d'être venu me voir. Mais sachez que je n'ai jamais pensé le pire à votre sujet. Je le sais. Au revoir, inspecteur Stoner. Au revoir. Oh, ne travaillez pas trop. Bon, nous y voilà. Ma chambre est à côté. Et votre père, Doru? Dans le living room. Quel âge avez-vous, Miss Hernandez? Papa, j'ai 31 ans, monsieur English. Et vous êtes officier de police, alors je peux poser une question? Qu'est-ce que vous pensez d'une jeune femme qui pose toute nue pour du pognon? Oh, Red, je t'en prie. Non, non, je veux entendre la réponse. Votre opinion, Miss Hernandez? Cela dépend du magazine. Ça dépend du magazine. C'est de la pornographie, et vous le savez. Papa, ça suffit! Je m'excuse. Pourquoi vous restez? Parce que je l'aime bien. Hey, Montana! Envoie! Faut te faire courir, toi. Tiens, regarde bien. Plus loin! Mais plus loin, je te dis! Cours! Oh. Désolé, madame Swann. Dan! On te demande au téléphone! J'arrive. C'est Rose. Ah. Que passa, mio amigo? Amiga, il se passe que je veux lâcher l'affaire, Dan. Allons, Rose, détends-toi. Mais tu comprends ce que je te dis? C'est la déprime, Dan. Toute la maison, toute l'affaire, j'en ai marre. Allez, raconte-moi, Rose. Heather est flanqué d'un père plutôt ronchonnant. Tu m'entends? Bon, en outre, il y a des livres religieux dans toutes les pièces. Je suis bonne catholique et je garde une petite pute. Allons, Rose, t'en as vu d'autres, non? Dan, je refuse d'aller à cette partie. Quelle partie? Demain soir à la villa. Je la croyais annulée. Impossible. Il y a un monde fou qui arrive d'Europe et de partout. De toute façon, Heather veut faire les boutiques, les instituts de beauté, le coiffeur. Alors, qu'est-ce que je porte pour assister à une orgie? C'est pas une orgie. Bon, tu m'écoutes, tu vas faire un tour, t'acheter une robe du soir, tu vas aller chez le coiffeur et surtout, tu vas aller à la soirée et t'amuser car je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Épargne-moi tes commentaires, Dan, et repasse-moi ta femme. Rien à faire, Hernandez. Bonsoir. Pourquoi est-ce que tu parlais d'une orgie? C'est pas une orgie, c'est une fête chez Trainer demain soir et Rose n'a aucune idée de ce qu'elle va mettre. Hé, hey, attends une minute. Toi aussi, tu vas à cette partie? Avec toutes ces filles à moitié à poil dans la piscine? C'est mon travail, mon amour. Où est-ce que t'as eu ça, dis donc? C'est le type du magazine qui me l'a donné. Cette Cassie Bascon, c'est un canon? Dis-moi un peu, toi, en quoi Cassie Bascon peut t'intéresser, gamin?
L'entrée principale, la porte d'entrée et la grande salle sont surveillées. Bien, restez à vos places et surtout surveillez les filles. Et si jamais vous les perdez de vue, avertissez les autres d'ouvrir l'œil, compris? Inspecteur Stenner, nous vous remercions de veiller sur nous. Seulement vous et vos hommes devriez être un peu discrets. Oui, vous avez raison. Après tout, ce n'est qu'une fête amicale, hein? Bien sûr. Qui est avec Isaac? Hernandez. Est-ce que c'est vous, Rose? Vous visez juste, Stoner. Es muy bonito. Où avez-vous planqué le talkie? Dans ma bourse. Hé, hey, Hernandez. Qu'est-ce que vous faites après le manger? Excusez-moi. Prêt? Allez, on y va. Ici Meredith Macro. Même selon Richard Trenor, notre hôte, et en dépit du drame qui l'a bouleversé quelques jours auparavant, il est certain que rien n'assombrira la fête de ce soir. La raison de tout ceci est uniquement la confiance qu'il porte à la brigade de police. Pour en avoir une idée, il vous suffit de regarder autour de la maison. Ah, voici Nat Pourret. C'est lui qui sera le maître de cérémonie ce soir. Je vais essayer de lui parler. Nat ? Je vous cherchais. Je croyais que vous aviez quitté tout ça. Vous revoyez tous les amis? Exactement, du champagne? Non, non, pas durant le service, merci. Alors, je suppose que vous ne dansez pas non plus. Oh, Cassie, viens avec moi, je voudrais te présenter quelqu'un. Désolé, je vous en prie. Passez une excellente soirée. Merci. À bientôt.
Astonner. Oui. Gardien de notre grande Babylone. Eh oui. Vous avez trouvé quelques indices? Pas encore, non. Allons, ne jouez pas les idiots, inspecteur Stoner. Je sais que selon vous, c'est Albert Stark l'assassin. C'est juste un suspect parmi tant d'autres. Qui d'autre, alors? Pourquoi pas vous? Intéressant. Pourquoi moi? Pourquoi pas. Où est donc monsieur Traîneur? Il se cache, il avait l'air de s'amuser. Oui, jusqu'à ce que Cassie Bascon m'arrive. Eh bien, voilà quand on parle du diable. Excusez-moi. Ah, oh, excuse-moi, mais je voudrais te présenter à quelqu'un. Mio fidanzato. Capisce? Mon fiancé. Excusez-nous. Oui. Fiancé? Moi? En fait, j'aurais plutôt l'âge d'être votre père, non? Ah, ce n'est pas le cas. Alors, Cléo m'a dit que vous étiez une empêcheuse de tourner en rond. Venant de la part de Cléo, je considère cela comme un compliment. Pourquoi ne pas aller faire un tour dehors? Vous avez le droit pendant le service, non? Bien sûr. Alors, venez. Toute cette faune de magazines, c'est tellement bizarre. Pour vous, ça doit être encore pire. Vous savez, à part les filles, le caviar et les Ferrari qui sont dehors... Tiens, le revoilà, celui-là. Courret est un imbécile. S'il est ici, c'est uniquement parce qu'il doit de l'argent à Richard. C'est un impossible flambeur. Il a brûlé une fortune incroyable dans les clubs à Paris l'année dernière. Je crois aussi qu'il a trempé dans des magouilles, des histoires pas très nettes. De quel genre? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Richard le tient ce contrat pour une bonne dizaine d'années. Alors il n'arrête pas de ploter les filles dans l'espoir que Richard l'envoie paître hors de son royaume. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors une fille plotée peut contaminer le territoire tout autour d'elle? Oui. Mais hélas, les gens qui font ce geste ne sont jamais ce qu'on voudrait. Mais s'ils faisaient ce geste, vous ne les aimeriez pas? Bon, allez maintenant, je vais voir tout le monde dans la piscine. Allez, 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 les filles. Allez, les garçons aussi, hein. Allez, 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 on se dépêche, on va jouer au volleyball dans l'eau. Tout le monde sait jouer. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est compris, ça, c'est le ballon et ça, c'est l'eau. Hein, tout le monde voit ce que je veux dire, il nous faut deux équipes. Alors, les blondes de ce côté et les vraies blondes de l'autre côté. Jeannette, toi, t'es une vraie blonde. Allez, allez, viens, 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 on a besoin de toi. Cassie, tu veux jouer? Tu es blonde, hein? Allez, amène-toi. Vous ne voulez pas jouer? Vous ne jouez pas au volley-ball en service? Non. Ça me mouillerait le pistolet. Quoi? J'ai de la tomate sur le menton ou quoi? Je vous aime bien. Je considère que c'est un compliment, Cassie. De toute façon, vous êtes mariée, non? Oui, je le suis. Eh bien, et si je vous disais que ça ne change rien? J'ai un avis tout à fait contraire. Bon. Si on allait voir cette partie de volley-ball. Merci pour la balade. C'était un plaisir. Allez, viens, Cassidy, mets ton maillot. C'est ça, vas-y, bats des pieds dans l'eau, ça fait des vagues, ça fait joli, ça photogénique. Oui, tu as un très joli maillot de base, ça fait très très chic.
fils disjoncteurs. Tout le monde prêt à intervenir. Quelqu'un ramène une couverture. Des serviettes et une couverture. Voilà une serviette. Ça va aller. Non, parce que après que la lumière soit éteinte, il était impossible de voir quoi que ce soit. Dan, ils disent encore quelque chose. La police était présente au moment de l'accident. Heureusement. S'il n'avait pas été là, je pense en particulier à l'inspecteur Stoner, Gail serait probablement déjà morte. Merci, Cassie. Gail Keating est actuellement hors de danger, selon les médecins de l'hôpital. Mais autant que nous le sachions, la police n'a toujours aucun suspect dans cette affaire. Meredith Macro, à vous les studios. Pas de suspect, tu parles. On en a des centaines de suspects. On est même remonté jusqu'à l'ex-femme de Trainer. Trainer a une ex-femme ? Il en avait une. Et elle s'est tuée en voiture il y a 15 ans. Alors, qui sont les autres? Eh bien, à part Stark, il reste Nat Courret, qui doit à Trainer beaucoup d'argent. Arlène Conti, qui n'a absolument aucun alibi à l'heure des meurtres. Et Cléo Banks, que Trainer a laissé tomber devant l'église. Mais tu dis que ça fait des années. C'est vrai, mais... Cassie dit qu'elle ne s'est pas consolée. Et enfin, il y a Trainer lui-même. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'en sais rien. J'aime pas ce gars-là. Il est louche. Est-ce qu'ils étaient tous dans la piscine cette nuit? Oui, ils y étaient tous, sauf... Cléo. Elle était dans une baignoire. Et toute seule. Parle-moi de Cassie Bascombe. Que je te parle d'elle. Tu disais qu'il y avait un mystère entre Trainer et elle. Oui, mais je crois que j'ai fait fausse route. De quoi elle a l'air? Cassie? Oh, elle est bien, quoique légèrement en branque. Je crois que ton fils est assez amoureux d'elle. Où est-ce que tu avais joué ça? Ben, j'ai trouvé cette revue que tu as ramenée au milieu de ses affaires. Oh, ben, si ça, c'est pas de l'amour, c'est les hormones. Allô, oui? Salut, Moon. Comment ça va? Il manque quelque chose? Non, rien à première vue. À quelle heure vous êtes rentré? Vers une heure, à peu près. Bon. Vous allez faire changer vos serrures. Et jusqu'à ce qu'on épingle le type qui a fait ça, un policier restera avec vous nuit et jour. Vous? Vous êtes sûr qu'il ne manque rien? Presque sûr. Mes bijoux sont toujours là. La stéréo. C'est pas la stéréo qui cherchait, Cassie. C'est vous. Alors vérifiez vos affaires, les lettres, les photos, Dan, tout ce qui peut. On a du nouveau sur Albert Stark. Il habiterait Echo Park. Ah, c'est très bien. Faut que j'y aille. Il y a deux gars postés à l'extérieur. Sortez pas sans eux, hein. Dan, vous avez faim? Comme ci, comme ça.
Goûtez-moi ça. De la pizza aux oignons. Non, j'essaye une certaine discipline parce que j'ai tendance à épaissir. Non. La cuisine légère. Aucune viande rouge, un peu de poisson. Et surtout beaucoup de légumes. Ouais. Mais à la vapeur. Ça, c'est bon aussi. Vous devriez essayer. Ça sent bon, oui. C'est ce que je mange au petit déjeuner. Oh, et puis zut. On n'avait qu'une fois, hein. Mais c'est pas Stark là-bas? C'est bien imité, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a sous le bras? Une chemise ou une grande enveloppe? Allez, allons-y. Hey, c'est moi, ouvre la porte. Qui est là? C'est moi, ton pote qui travaille au labo, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Allez, ça suffit, ouvre-moi cette porte. L'ambition est de réussir ma vie, de devenir riche et puissante, et surtout de vivre entouré de gens que j'aime. Et une facture correspondant à des photocopies. Un Stark est venu ici et a emporté un bouquin dans le but de le photocopier. Il vous manque un bouquin ? Non. Vous croyez que c'est lui l'assassin? J'en sais rien. Mais il est passé sur les lieux de tous les crimes, oui ou non? Oui, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Pourquoi aurait-il agressé Gail pour ensuite se pointer ici et saccager votre appartement? Il voulait m'avertir que mon tour allait venir, c'est ça votre idée? Non, ça c'est ce que Tony a dans la tête. J'ai besoin d'avaler quelque chose de fort, et vous aussi. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est surtout de la curiosité, en fait. Je me demande ce que vous avez dans la tête quand vous faites ça. Le métier. Quand je pose, ou bien après coup, quand je regarde les photos? L'un et l'autre. Eh bien,
Avant tout, on peut dire que les séances en elles-mêmes ont un ton très professionnel. Il y a les techniciens, il y a les projecteurs. Et puis on pense surtout à être bien. Oui, on pense à être séduisante surtout. Bien sûr. Quelle femme ne cherche pas à être séduisante? Quand il faut. Avec qui il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous parlez de l'enquête, je pense. C'est ça, je parle de l'enquête. Vous commencez à me taper sur les nerfs, vous savez. Oh, pardon. L'affaire, quand va-t-elle bouger? Je crois que ça va bouger. À la fête des anges. Oh, quoi? La compétition olympique du magazine. C'est ça qui, d'après mes supérieurs, poussera Stark à sortir hors de son trou. Ah. Oh. Vous en pensez quoi de Stark? Je crois que... il s'intéresse à vous. Alors, je serai présente. Je vous l'interdis. Ah, je vois. Ça vous fait quelque chose? Oui, ça me fait quelque chose, exactement. Et ne vous méprenez surtout pas. Et pourquoi ça? En fait, c'est... Quoi? Allez. Je crois que dans tout ça, il y a quelque chose qui... Et c'est ça. Quoi? Il faut que je m'en aille. Mais qui serait au courant? Je n'ai jamais été un bon menteur. Bonne nuit, Cassie. Aujourd'hui, tous réunis pour les 6e Jeux Olympiques annuels de votre magazine préféré, Paradis. Qu'est-ce que vous en dites, Kéfi? Ça vous embouche un peu. Eh oui, déjà 6 ans depuis les premiers Jeux, j'ai l'impression que vous êtes devenus de vraies jeunes filles. Pas vrai? Allez, allez, on s'active, c'est mou tout ça. Mesdames et messieurs, je crois que l'on peut encourager toutes ces filles qui vont se déchaîner pour gagner. Vous pouvez admirer actuellement ce qu'on appelle le parcours du combattant. Et soit dit entre nous, j'aurais bien aimé faire mon service militaire dans ces conditions. Mais soyons sérieux, les deux équipes qui s'affrontent devant vos yeux sont les anges bleus et les anges roses. Elles sont très très fortes. Car avant de vous parler, j'ai essayé de faire le parcours, et bien croyez-moi, ce n'est pas de la table. Regardez-les comme elles s'amusent, c'est un vrai régal des yeux. Allez, encore quelques efforts, voilà, c'est magnifique. Bon, il va falloir se donner à fond les filles, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. D'accord, c'est compris. Bon, on y va. Alors, on a finalement tiré à la courte paille, et ainsi, nous avons désigné un maître de cérémonie pour aujourd'hui. Et c'est lui qui devra surveiller la compétition de manière à ce que personne ne triche. Laissez-moi vous présenter monsieur l'entraîneur en personne, Nat Couré. C'est ça, tourne-toi un peu vers moi, je vais te voir de face. Voilà, oui, c'est super comme ça, super. Alors, vas-y. Allez, bouge, bouge, bouge. Oui, oui, joue avec tes lunettes, comme ça, oui. Retire-les, voilà. Oui, tourne-toi. Bouge, bouge. Allez, vas-y, c'est toi la meilleure. C'est ça, tourne-toi maintenant, oui. C'est compris, Heather. Vous roulez au sol si je vous fais un signe quelconque. Et surtout, restez en dehors de la foule. D'accord, d'accord.
maman poule. Ça colle les filles, on est en place. Heather, quoi qu'il arrive, gardez la piste centrale. Ne quittez pas Rose des yeux, surtout. Qui veille sur Cassie? Comment ça? Elle a pris la place de la demi-noyée. Trainer ne vous l'a pas dit? Quoi? Oui, aujourd'hui, en plus dans la piste centrale. Où est-ce qu'elle est? Oui, c'est bien. Bouge, bouge, bouge. Oui, regarde-moi. Bon, ça suffit, j'en ai marre maintenant. Dites-moi, à quoi vous jouez? Faut que je m'en sorte. Personne ne m'aidera, alors j'ai pensé... Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui cracherait sur 20 000. C'est exactement ce que je gagne. C'est ça votre idée? C'est poser à poil pour ce putain de magazine? C'est une leçon de morale scolaire ou vous me faites ça pour vous occuper de ma sécurité? Écoutez, j'ignore quel rôle vous jouez et à quoi vous vous amusez. Mais je voudrais vous dire une chose. Attendez que tout soit démêlé, d'accord? Ensuite, si vous voulez faire la danse du ventre devant Trainer, allez-y. Vous n'avez rien compris, espèce d'idiot! Dan, est-ce que vous pourriez venir? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a un problème. On a repéré un fourgon planqué sous les arbres derrière nous. Est-ce que vous pouvez voir le chauffeur? Non, je peux pas le voir. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, les filles, on se dépêche! Allez! Tout le monde est prêt? Ouais, tout le monde est prêt. Ouais, on est prêt. Non, ça doit pas être grand-chose. Mais je pense qu'il faudrait être prudent tant qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Que Smithy aille tranquillement demander les papiers. Entendu. À vos marques, attention! Qu'est-ce qui se passe, Mimi? Smithy s'avance à découvert, le type peut le voir. Dan, le type s'enfuit, descend la colline! Yeah!
ça va sauter. C'est tout? Le fourgon était vide? C'est tout, oui. À part des négatifs brûlés et une boîte à outils. Ce type-là doit être un grand sentimental. Oh, c'est pas ça, il n'y a rien qui le concerne là-dedans. Et qu'est-ce que je fais de tous ces trucs-là, maintenant? Vous n'avez qu'à le mettre dans une boîte pour Stoner. Entendu. Ne racontez pas d'histoire. C'est Heather English qui m'a mis au courant pour Stark. Vous n'avez jamais rien dit. Moi, je voulais simplement protéger Cassie. La protéger? C'est vous qui vouliez qu'elle remplace Gail Keating. Ah oui? Qui vous a dit ça? C'est Cassie elle-même. Alors ne niez pas. Dan, la presse vous attend là-haut. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez pas pincé Stark alors que vous en aviez l'occasion. Je vous ai déjà dit que ça aurait pu être un cauchemar pour Cassie. Pourquoi un cauchemar? Pourquoi? Parce que ces photos auraient très bien pu paraître un jour dans toute la presse pourrie de la région et Cassie était... Elle était très bouleversée. Sergent Stoner, est-ce que vous avez des nouvelles de Stark? Est-ce que vous avez réussi à lui parler? Non, non, il est toujours inconscient. Mandat d'amener, a-t-il été lancé contre lui? Non, il n'y a rien jusqu'à maintenant. Mais n'essayait-il pas de commettre un meurtre? La preuve est loin d'en être faite. Je tiens à signaler que Stark n'était pas armé. Soyez franc, selon vous, est-ce que Stark est l'homme que vous recherchez? Eh bien... Pour l'instant, Stark est dans le même panier que les voyeurs. Il est passé à l'hôtel la nuit où la fille a été défenestrée, et il était également à la fête que Trenor a donnée dans sa villa, quand on a tenté de tuer Gail Keating. Alors, si j'ai une conviction, c'est qu'il est peut-être le meilleur des témoins jusqu'à ce que j'obtienne des indices plus convaincants. Ça, je pense que c'est ce dont le type parlait. Il pensait à un bouquin ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi il l'a apporté à la compétition? Peut-être pour le rendre à Cassie Bascombe. Non, non. Elle m'a dit qu'il n'était pas à elle. J'ai aussi cherché du côté des autres filles qui étaient sur les photos, à savoir Gail et Heather et toutes les autres. Ce que je suis en train de faire, c'est le boulot de la police. Je devrais me faire payer. J'appellerai le labo demain matin pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça ira. Et le planton n'a pas eu l'idée que le feu pouvait être une diversion, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord. J'arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a des témoins? Non. Salut. À tout à l'heure. Salut, toi. Oh, j'ai oublié de rappeler à ton père que je m'absentais pour t'amener au collège. C'est un interne qui l'a trouvé vers 7 heures ce matin, et il est mort vers 5 heures. Et alors, ça va? Comme tu vois, désolé, Dan, mais on n'a rien trouvé. Vous avez récupéré les bricoles qui étaient dans le camion? Oui, je les ai. Alors, oui? Seul pas, Stanley.
Ouais. Ah, tu sais, c'est le fiasco, Tony. On n'a vraiment aucune trace ici. Tu veux rire? Ah oui, courez. Ouais, il est sous surveillance. Ils sont tous. Oui, d'accord. Ah, c'est entendu. Bon, salut, à plus tard. On a enfin une piste. On a une piste. Attendez, je peux savoir ce qui se passe? C'est le concierge de l'hôtel. Quand il a appris que Stark risquait de parler, il a eu les jetons. Tu sais ce qu'il a dit? Que Nat Courey avait loué une chambre pour Pan Cummings. Salut, vieux. Je sais ce que vous allez dire, hein? Que c'est ma faute, hein? J'ai cru que votre gars pouvait bien être l'assassin. Mais de quoi vous parlez? Ce type de l'autre côté de la rue. Je parie que c'est un de vos hommes. Quand je l'ai repéré hier soir, j'ai tout de suite appelé le veilleur de nuit. Pourquoi ne m'avoir jamais dit que j'étais sous surveillance? Ce n'était qu'une précaution et rien d'autre. Je vois. Tony veut que j'embarque le portier de l'hôtel. Il demande que vous restiez avec Cassie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. D'accord. Ça veut dire quoi? Stark s'est échappé de l'hôpital? Il est mort la nuit dernière. Et toi, tu embarques le concierge de l'hôtel avec toi. Mmh, d'accord. Alors, vous croyez que le concierge est mêlé à tout cela? Non, non, c'est après Courey qu'on cavale. C'est lui qui aurait loué la chambre d'où Pam serait tombée l'autre soir, ou plutôt la chambre d'où on l'a poussée. Allez, venez, on rentre. À l'appartement? Oui. C'est à vous? Oui. C'est vous qui faites le dîner? Le premier arrivé est dispensé de tablier. Vous voyez qu'on est là pour rigoler, vous pensez que je m'amuse, hein? Toi, la ferme. T'as intérêt à pas bouger. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans le garage de Cassie Bascombe? Il cherchait Dan, il dit qu'il a d'abord essayé de le joindre ici. Et il avait qu'à essayer au bureau des pleurs. C'est ce qu'il a fait, mais on lui a répondu que Cassie venait de partir. La réceptionniste pourra vous confirmer les faits. Et Dan, qu'est-ce qu'il en pense? C'est des conneries tout ça, tu le sais aussi bien que moi. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Dites-le-moi, dites-le-moi. Non, vous dérangez pas pour moi, continuez. Alors pourquoi t'es pas resté dehors pour attendre Cassie? Il y avait une sonnette, t'avais qu'à appuyer dessus. Parce qu'une vieille dame et un bulldog m'ont pris d'assaut pour avoir un autographe. Écoutez, je voulais seulement vous voir en privé. J'étais pas venu signer les autographes pour mes fans, vous comprenez? Alors, il y a un type qui rentrait, sans voiture, dans le garage. J'en ai donc profité et je me suis faufilé. Le chauffeur m'a vu, je le nie pas. Et puis tu lui as refilé un pot de vin comme celui que t'as refilé au concierge de l'hôtel. Bon, d'accord, je veux bien admettre que c'était idiot, mais c'est pas moi qui ai tué les filles.
Pourquoi est-ce que tu dois à Trénor quelques années de ta vie. Oh, ben ça... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait combien, puisqu'on en parle? Combien de pognon t'as claqué, hein? Oh, ben, en fait, c'était pas au jeu uniquement. Il s'agit surtout de marchés que je devais... traiter et qui se sont cassés la gueule. Combien? J'en sais rien. Combien? $3 millions. 3 millions, rien que ça. 3 millions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu racontais un peu à Tony ton fameux rencard avec Pam Cummings, il dit qu'il ne retient jamais une chambre sous son nom à cause des groupies, tu te rends compte? Ah, les groupies, mais je vois. Alors pourquoi tu l'as fait à son nom, à elle? Mais c'est elle qui voulait que ce soit comme ça. C'était au cas où ses parents téléphoneraient. Ah, d'accord. Alors tu réserves sous le nom de Cummings, tu lui passes la clé, et ensuite tu montes dans la chambre avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez, je l'ai suivi, ses façons de parler, je vous jure. Je vais vous expliquer. J'ai utilisé l'escalier de service, et elle a pris l'ascenseur. Et, en fait, il fallait que je sois discret. Parce que cette gosse, elle était encore mineure, vous comprenez? Alors il a fallu qu'on monte chacun de son côté. Elle est montée avec l'ascenseur et moi je suis monté par l'escalier de service. Et pendant que je montais l'escalier, là j'ai entendu quelque chose. T'as regardé qui était en train de débouler les escaliers? Non, parce que j'avais peur. J'aurais pas aimé me retrouver face à un assassin. Ah, je trouve qu'elle s'enclenche mal, son histoire. Il sort à cause des cris qu'il entend, et ensuite le vrai meurtrier descend les escaliers en courant. Non. J'ai couru par l'escalier directement dans le vestibule, parce que j'ai entendu justement quelqu'un débouler par les escaliers. Et alors on s'enfuit vers le vestibule, et bien sûr on est vraiment bouleversé. Et on donne un petit pourboire au gardien. Non, écoutez, j'ai suffisamment attendu comme ça, je suis venu volontairement, hein. Et puis sans mon avocat, alors... Oh, arrêtez ça là, tu fais chier. Ah non, ça y est, c'est fini, ça c'est pas la peine de continuer, je dirai plus rien. Oui, ça va, t'énerve pas. Escorte M. Caragaggio jusqu'au bloc des cellules. Qui ça? C'est son vrai nom. Tout le monde change de nom dans le show business, vous savez pas ça? Et si c'est un crime, eh ben arrêtez tout Hollywood. Ben, je crois qu'il serait plus urgent de s'occuper de ton cas, et ça suffit, allez, embarquez-le. Vous pensez à quoi, Dan? Tout le monde change de nom dans le show business. Et alors? Ah, rien du tout. Enfin, rien pour l'instant. Thank you.
Bonjour, ici Meredith Macro. Rebondissement dans l'affaire des meurtres du magazine Paradis. La police a arrêté Nat Courret, le célèbre animateur de télévision et l'ami de Richard Trenor. Arrêté la nuit dernière, Nat Courret se refuse à tout commentaire, sauf pour crier son innocence en regard des crimes qui lui sont reprochés. Le voici transféré au quartier général de police après sa mise en accusation. Courret aurait admis être en relation personnelle avec la première victime, Pamela Cummings, qui, on s'en souvient, s'est tuée en tombant du 10e étage de l'hôtel Centennial. Bonjour, Cassie. Vous avez une de ces mines? J'ai pas dormi de la nuit à cause de Courret. Eh bien, entrez, je vous donne un peu de café. Non, c'est gentil. Je voulais juste vous dire au revoir. Comment ça? Vous lâchez l'affaire? Oui, la loi exige qu'on passe la main au procureur maintenant. Est-ce que Courret a avoué? Non, pas encore, mais il le fera. Alors, c'est fini. Désolé que ça se soit passé comme ça. Mais moi aussi. J'ai entendu dire que Gail allait revenir. Elle aura droit au poster central à votre place. Trenor est toujours en quête de visages plus jeunes. Eh ben, un de ces jours, Cassie. Dan. Quoi? Ça n'a jamais été vrai. Vous et moi. C'est pas satisfaisant. Bien que, pourquoi pas. Allô? Oh, je vous le passe. C'est le détective Stoner. Allô, sergent. Félicitations, j'étais justement en train de dire à Cléo que vous... Pardon? Attendez une minute. Gail Keating, en quoi ça la concerne? J'aimerais qu'on en discute. Parce que ça, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. D'accord, comme vous voudrez. Le garage? Oui, oui, bien sûr, on y passe la nuit. Tony, toutes les photos en sont la preuve. Quelles photos ?
Le type qui est chargé de nettoyer les ambulances a trouvé des photos qui portaient derrière le nom de Stark. Elles sont datées du 18 juin, un jour après que Pam ait été assassinée. Attendez une seconde. Vous les avez vues, ces photos? On n'a que les négatifs, mais sur l'une d'entre elles, on peut voir le Centennial Plaza Hotel. Nancy les développe pour l'instant. Nancy fait quoi? C'est à vous que je téléphonais, c'est elle qui a voulu s'en charger. Elle s'inquiète pour vous, Dan. Comment ça va? Courez, innocent, Rose. Alors qui est le coupable? Une fille nommée Julie Verson. Verson? Je connais ce nom. Oui, oui, c'est... l'ex-femme de Trenor qui s'appelle comme ça, comme sa fille. Il avait une fille? Lui prétendait ignorer que c'était sa fille quand elle est arrivée, qu'elle a commencé à travailler pour lui. Il savait rien jusqu'à ce qu'elle devienne l'ange de l'année. Cassie? Oui. Tout le monde change de nom dans le showbiz. Dan, est-ce que vous pensez que c'est ça? Elle a tué Stark. Parce qu'il savait. Et qu'elle avait peur qu'il lui fasse du chantage. Oh, c'est affreux. Dan! Quoi? Tout à l'heure, quand je vous cherchais, j'ai téléphoné à Cassie. Je l'ai mise au courant pour les négatifs. Oh, et non, elle sait que Nancy était toute seule. Mon Dieu! Allô? Allô? J'avais besoin, c'était d'avoir un père.
Mais tu n'étais jamais là. J'ai entendu dire que t'as pêché une truite énorme. Oui, c'était une sacrée partie de pêche. Et comment ça va, sinon? Bien, merci, Tony. Hey, ces vacances, ça s'est bien passé? J'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Et tiens, dis donc, hein, t'as entendu parler de cette Heather English? Ouais, ouais. Tu sais, je crois qu'elle fera un excellent flic. Ouais, elle est extra. Ouais. Ah! Écoute, j'ai lu le rapport du psychiatre, tu sais. Ah oui? Alors j'avais raison. Mmh. Ah! Ouais, te fais pas de bile là-dessus. Il y a une course dimanche prochain au parc, t'as pas entendu parler de ça? Ouais, Tony, mais on était en train de parler du rapport psychiatrique de Cassie. Ah ouais, pardon, des trucs idiots tels que l'amour, la haine, la famille et... Ouais, mais il y a un jockey qui a abandonné en dernière minute. Et c'est lui qui montait la meilleure pouliche de la course. Le rapport du psychiatre, Tony. Ah, oui. Abandonné quand elle n'était qu'une gosse et ensuite rejeté quand elle a repointé le bout de son nez chez son père qui a découvert qu'en réalité, une histoire bizarre, tout ça, quoi. Hein? Tu sais, il paraît que Wirder est arrivé troisième dans la deuxième course dimanche dernier. Dis donc, est-ce que tu as le rapport sur Cassie dans ton bureau? Ah, oui, oui, il est là. Tiens, écoute-moi. J'aimerais y jeter un œil. Bien sûr, mais il y a quelque chose qu'on ne savait pas, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cassie se faisait soigner par un psychiatre. Elle avait des problèmes psychologiques depuis qu'elle était gosse. Et j'ai lu quelque part que de plus en plus de jockeys se dopent. Et je te parie tout ce que tu veux que les juges reçoivent des pots de vin pour fermer les yeux. Tous les jockeys maintenant, ils marchent dans la cabine. Écoute-moi deux secondes, c'est ça le rapport du psychiatre? Tout le monde le sait et que tout le monde s'en fout. Écoute, Tony, j'ai aucune envie de parler de course maintenant. Tout ce que je voudrais, c'est lire le rapport tranquillement. Eh bien, tu t'aperçois que c'est régulièrement les mêmes qui gagnent. Allô? Tout ça, c'est la mafia, je te dis. Il faudrait se mettre au trou.